Good morgen, allez Iden, les tuzra aujourd'hui, le Lonishmat, Moriver Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batrim Nechemia, Shalom Ben Chliba, ainsi que leur Fouat, Abraham, Uri, Ben Reout, Betor, Shaar, Chole Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maseret Zvachim, Perek Yud Gimel Mishnah Bet, Tame Sheachal, Ben Kodesh Tame, ou Ben Kodesh Tahor, Chayav. Rabbi Yossi Aglili Omer, Tame Sheachal Tahor, Chayav, et Tame Sheachal Tame, Patour. שלא אכל אלא דבר תמי, אמרו לו, אף תמי שאכל טהור, כיוון שנגע בו תימאו, וטהור שאכל תמי פטור, שנו חייב אלא לטומאת הגוף. ימציא פרולם טכניק דבורס הזאת משנה, אלא אוקם רפור אבק לסוג'י דו פרק. Pour pouvoir comprendre ça, il va falloir expliquer la Mishnah. Mais pour expliquer la Mishnah, alors il va falloir entrer dans plein de détails. Je ne sais même pas par où commencer, mais on va y aller doucement, vous inquiétez pas. Jusqu'à... Pour rappel, d'abord, j'appelle la première Mishnah parce que ça nous aidera quand même pour ensuite, quand on voudra entamer le rapport. Si vous vous rappelez, on avait commencé le sujet de Shochet ou Maale Bachutz. Le sujet de celui qui va égorger un korban, au lieu de le faire dans la Hazara, il a fait à l'extérieur de la Hazara, il a fait dans sa cour de la maison. Il y a un interdit avec un Chiyuv Karet. Et le sujet aussi de Maale Bachutz, celui qui a des membres de Ola, qu'il a fait à l'intérieur de l'Hazara ou à l'extérieur de l'Hazara, qui va maintenant les brûler, les consumer à l'extérieur de l'Hazara, il transgresse un deuxième interdit, c'est Shochet ou Maale. Si vous vous rappelez, on avait vu là-bas une discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Chachamim, à savoir l'interdit de Maale, de brûler les membres à l'extérieur du Beit HaMikdash, est-ce que ça concerne spécifiquement les membres qui ont été, les korbanot qui ont été, dont le sang a été aspergé, comme la halakha le prescrit dans la Hazara, et qu'après on a sorti les membres, ça concerne même les membres qu'on a égorgés à l'extérieur. On met ça maintenant de côté, et maintenant on commence à attaquer notre Mishnah. On va retrouver le principe de le rapport entre la Mishnah Bet et la Mishnah Nef, c'est qu'il y a une certaine similitude entre les propos avancés de Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Aglili et Chachamim, mais on est dans un tout autre domaine sans qu'il y ait concrètement aucun rapport en fait. C'est un peu fatigant des fois pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la souplesse talmudite. Ceux qui ont l'habitude, c'est parfait, parce que ça les apprend à être ouverts d'esprit et à pouvoir gérer plein de données en même temps, mais ceux qui ne sont pas habitués, ça peut être parfois un peu compliqué, mais c'est pas grave. On expliquera, on reviendra ensuite sur le rapport à la fin de la Mishnah. Pour le moment, le sujet de notre Mishnah, il concerne maintenant le Tameh She'achal, une personne impure qui a mangé Ben Kodesh Tameh ou Ben Kodesh Tao, qu'il s'agisse d'un korban qui était kadosh, qui était impur ou qui était pur, dans tous les cas, il sera Chayav, il aura un chiyuv karet. Soit deux situations. Un korban qui a été offert, qui a été fait comme l'alakha le prescrit dans la hazara, on a aspergé le sang, un shlamim par exemple. Ensuite, on a eu des parts à partager, à donner au kohanim, des graisses à faire monter sur le misbeach, et des parts qui revenaient au Israël, que le Israël avait le droit, ensuite que le propriétaire pouvait prendre, partir consommer dans tout Yerushalayim, sans aucun problème, tout allait très bien. Maintenant, la Mishnah nous enseigne, s'il y a une personne impure qui a touché un sheretz, un reptile mort, il est devenu impur. Et ensuite, il est parti manger le korban, il transgresse, et donc le sépare de shlamim, il transgresse un grave interdit de la Torah, il sera possible de karet, de retranchement, ou de khatat s'il a mangé beshogay. D'accord ? Maintenant, la Mishnah me précise, ben kodesh tameh ou ben kodesh tahor, qu'il s'agisse d'un korban qui était pur, et que cette personne impure est venue et l'a mangé, ou même s'il s'agit d'un korban qui est impur, qui a été impurifié, malgré tout, puisque toi tu es impur, et que tu manges un korban, même si le korban lui-même il a été impurifié, malgré tout, et on transgresse l'interdit, le grave interdit de manger quelque chose alors que l'on est impur, et on est passible d'un chiyuv karet. D'accord ? C'est sur ce point-là que Rabbi Yossi Aglili va discuter, on n'a qu'à le découvrir tout de suite, on rentrera de l'ordre ensuite. Rabbi Yossi Aglili Omer, Tameh She'achal Tahor, Chayav. Rabbi Yossi Aglili discute et nous dit, non, si c'est une personne impure qui mange un korban qui est encore pur, qui pouvait être mangé par quelqu'un pur, alors il sera Chayav, c'est vrai. Mais par contre, Vetameh She'achal Tameh, Patour. Une personne qui était impure et qui va consommer quelque chose, un korban qui était de toute façon impur, il ne sera plus passible de karet. Il transgressera certes un interdit, un double interdit même, mais il n'y aura plus de chiyuv karet. Pour quelle raison ? Étant donné qu'il a consommé de toute façon quelque chose qui était impur, qui était impropre à la consommation en tant que korban, c'était un korban invalidé, qu'on ne pouvait plus consommer. De ce fait, on transgresse plus l'interdit.
Et je continue tout de suite la Mishnah, parce qu'en fait, je vais arriver à la fin de la Mishnah, mais en fait, il n'y a qu'une petite phrase qui me dérange, donc on a qu'à le faire vite fait. Amroulo, il a retorqué, Chachami, ils l'ont dit, mais qu'est-ce que c'était l'histoire, Rabbi Yossi Aglili ? Donc tu fais une différence que si moi je suis impur et que je mange un korban pur, je suis Chayav Karet, tandis que si je suis impur et je vais manger un korban qui est de toute façon impur, je suis plus Chayav Karet. Mais regarde comment c'est pas logique ce que tu dis, Rabbi Yossi Aglili. Donc quel est le cas dans lequel tu rends Chayav si je suis impur et je vais manger un korban qui est pur ? Or, si je suis impur, que je touche le korban qui est pur, le korban il va devenir impur. Et s'il va devenir impur, alors je ne serai jamais chayav karet. La Torah l'a dit qu'un chayav karet. Raisonnement par l'absurde. D'accord ? On fait ça dans les mots. Amroulo chachamim non retorqué. Afta meshach al tahor. Même une personne impure qui a mangé quelque chose de pur, dans ce cas-là, selon toi, tu devrais le dispenser de karet. Pourquoi ? Kevan shenagabo, étant donné qu'il l'a touché, qu'il est entré en contact, tim ahu, il l'a rendu impur, donc il devrait être patour. Or, la Torah l'a bien rendu chayav. Donc tu vois ce que tu dis, toi, Rabbi Yossi Aglili, c'est faux. On expliquera ensuite quelle est la marque de Rabbi Yossi Aglili et Chachamim. Pour le moment, je vais arriver à cette phrase-là. Vetahor she'achal tamé patour. Tandis qu'une personne pure qui a mangé un korban qui était impur, alors il sera patour, il sera dispensé, il n'aura pas de chiyuv karet. Il aura transgressé un interdit, il sera chayav malkout, mais il n'aura pas de karet. Et on va expliquer pourquoi. Mais la Mishnah me donne d'abord une première raison. Sheno chayav ela al tumat aguf. Car la Torah n'a rendu passible de karet que celui qui va manger alors qu'il est lui-même impur. Précision technique, je peux manger quelque chose d'impur sans devenir impur. Ça dépend des niveaux de tuma. Tandis que si je suis impur, je vais forcément communiquer l'impureté aux aliments. D'accord ? Je referme la parenthèse. Maintenant, on va ouvrir les psukim, découvrir qu'il y a deux psukim dans Parashat Vayikra, dans Chumash Vayikra, dans Tzav. Je suis dans Perek Zayin et Perek Zayin, Pasuk Yutet et Pasuk Khaf. Pasuk Yutet me dit comme ça. Vehabasar asheriga bechol tame lo yachel. Et la viande d'un korban qui entrera en contact avec quelque chose qui sera impur, lo yachel, il ne pourra plus être consommé. Ba'esh yisaref, il faudra le brûler au feu. Vehabasar kol taor yachal basar. Et la viande, toute personne pure pourra manger la viande, c'est pas notre sujet d'expliquer cette phrase-là. Donc, premièrement, il y a marqué une viande qui est devenue impure, j'ai un interdit de la consommer, j'ai une mitzvah de la brûler au feu. D'accord ? Deuxième chose, Pasuk Khaf, continue en me disant, Ve'anefesh asher tochal basar, et une personne, une âme, qui consommera une viande, mizevach hashelamim, qui vient d'un korban de shelamim, asher l'Hashem, qu'on avait offert pour Hashem, ve'tum ato alav, et il a une impureté sur lui, ve'nichreta anefesh ha'im e'amea, et cette personne sera, comment on dit, karet, il m'échappe le mot, c'est pas grave, il sera passible de retranchement, il sera retranché du peuple, il mourra par le ciel. Anefesh haim amea, cette personne-là de son peuple, elle sera écartée, elle sera en retranchement, un interriouf karet. Donc on a ici deux psukim. Le premier pasuk qui me dit, si on fait attention dans les mots, le premier pasuk qui me parle d'un bassar, d'une viande qui est devenue impure, et que je la consomme, il y a un interdit. Le pasuk Raf, il me parle apparemment d'autre chose. Il me dit qu'une personne qui mangera une viande, alors que tum ato alav, il a son impureté sur lui. Faites attention au mot. L'impureté est sur lui. De qui on parle ? Elle est sur la viande. Elle n'est pas sur la viande. Elle est sur lui, sur la personne qui mange. Le sujet, c'est la personne. La personne qui va manger, alors qu'il a une impureté sur lui. Et là, il y aura un chiyuv karet. Donc si on fait attention, la Torah l'a dit. Si tu manges du kodesh et que tu es impur, il y a un chiyuv karet. Si tu manges de la viande, toi tu es pur, mais la viande elle est impure, alors il n'y a plus de chiyuv karet. D'accord ? Et maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a les deux en même temps. Toi tu es impur et la viande elle est devenue impure. Est-ce qu'il y a un chiyuv karet ou non ? Sur ça, il y a une discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Chachamim. D'accord ? On a fini de poser l'axiome de base. Maintenant, on va un peu mieux expliquer de quoi parle exactement Rabbi Yossi Aglili. Si vous regardez, il y a un long Bartanora qui nous explique en fait précisément de quoi il parle. Et on constate que Chachamim ont rétorqué quelque chose de très logique à Rabbi Yossi Aglili. Ils ont dit, mais toi, d'après aussi Rabbi Yossi, toi, Rabbi Yossi Aglili, tu veux dire que il faut nécessairement que je suis impur, mais que la viande, elle est pure. Genre, tu voudrais dire, toi, Rabbi Yossi Aglili, que seulement une viande qui est apte à être consommée par une personne en guise de la mitzvah de manger des korbanot, que là, si l'impur, il va venir à la manger, là, il y aura un chiyuv karet. Tandis que la viande qui a été de toute façon invalidée parce qu'elle est devenue impure, alors, si une personne impure va la consommer, il n'y aura plus de chiyuv karet.
Rami, on aurait torqué à Rabbi Yosef Galil, on dit, mais dans ce cas-là, c'est insensé ce que tu dis. Parce que toute personne impure, dès qu'il va toucher la viande, même s'il ne touche pas la viande, quelqu'un, il lui la met dans la bouche. Et bien, quand ça va arriver dans sa bouche, il va la rendre impure par sa bouche. De ce fait, il n'y a aucun moyen de... Il n'y a aucun moyen de consommer, d'avoir un corps impur qui va consommer une viande pure sans qu'il va impurifier la viande. Or, la Torah l'a rendu chayav de karet lorsqu'on mange, alors que l'on est soi-même impur, donc forcément on s'en moque si le kodesh il est resté pur ou il est devenu impur. Malgré tout, on sera toujours passible de karet. Et Rabbi Yossi Aglili dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense? Alors sur ça, on a en fait un long Bartanura qui nous explique qu'il y a en réalité deux situations. On touche d'abord à l'interdit de en issur chal al issur. J'explique d'abord en principe général à toute la Torah qui est très vaste, qui touche à plein de sujets du chasse. Quelque chose qui est déjà interdite, s'il va y avoir une deuxième raison de l'interdite, eh ben on ne va plus transgresser deux fois l'interdit. Étant donné qu'elle était déjà interdite, alors en issur chal al issur. Un issur ne vient pas s'appliquer, un interdit ne vient pas s'appliquer sur quelque chose qui était déjà interdite. C'est une règle générale qui est très compliquée à définir dans quelle situation précisément. C'est très vaste. Il y a, pour vous donner une petite idée, justement, c'est de ça qu'on va parler. D'abord, un exemple. Le cas classique, par exemple, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, une jeune fille, que, pour le moment, puisque je suis marié à sa sœur, cette femme-là m'est interdite, parce que deux sœurs, c'est une inceste. Lorsque cette sœur, cette belle-sœur, maintenant, va se marier, elle va aussi devenir interdite en étant, en plus de ça, une femme mariée. C'est un deuxième interdit. Est-ce que l'interdit de la femme mariée va me concerner ou bien, étant donné qu'elle était de toute façon interdite parce que c'est ma belle-sœur, alors je suis concerné que par cet interdit. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut faire. C'est vrai, mais parfois, il y a plusieurs conséquences et c'est pas notre sujet. Concrètement, on va se limiter à ce que l'on a ici. Le Bartona, il explique qu'il y a deux situations. Il y a le cas où j'étais déjà impur et puis la viande est devenue impure ensuite. Et il y a le cas, au contraire, où la viande était déjà impure, et moi, après, je suis devenu une deuxième fois impur. Et c'est en cela qu'il y a une discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Chachamim. Rabbi Yossi Aglili va me dire, lorsque moi, j'étais déjà impur, mais la viande en elle-même, c'était encore de la viande qui était pure. Si elle va devenir impure ensuite, alors je vais être concerné, je vais plus être concerné par son interdit à elle. D'accord ? Parce que, étant donné que j'étais impur. Donc j'avais pas le droit de manger tous les corbanotes, même cette viande-là. Donc moi, mon rapport que j'entretiens avec cette viande, c'est que cette viande-là, elle est de toute façon interdite à cause de mon impureté. Si elle devient impure, je suis plus concerné par le deuxième interdit. Puisque je suis plus concerné par le deuxième interdit, alors pour moi, c'est une viande qui est encore comme si elle était restée pour le moment pure. À mes yeux, l'interdit qui m'incombe à moi de ne pas consommer cette viande, c'est parce que je suis une personne impure. Peu importe si la viande elle-même, elle est encore pure ou elle est devenue impure. D'accord ? C'est le principe de Rabbi Yossi Aglili. Selon ça, c'est pour ça que je vais être passible, un chiouv, karet, si je vais la manger. À la différence du cas où la viande, elle était déjà impure, et que ça, et qu'après, moi, je suis devenu impur. Alors là, Rabbi Yossi Aglili va me dire, écoute, puisqu'elle était déjà impure, alors à présent, c'est fini. Même si moi, je vais devenir impur, et je vais être interdit par la consommation d'autres viandes. Mais par rapport à cette viande-là, je transgresse plus l'interdit de manger une viande alors que je suis moi-même impur. D'accord ? De ce fait, je transgresse plus l'interdit. Tandis que Chachamim vont me dire, non, puisque moi maintenant je suis concerné par le nouvel interdit, puisque lorsque je suis devenu impur, alors il y avait même des viandes qui étaient permises, que maintenant j'aurais plus le droit de les consommer parce que je suis devenu impur. De ce fait, on va dire, puisque mon interdit a trouvé place pour m'incomber à cause des viandes permises, alors... Puis, migo, étant donné que ça me concerne face aux viandes permises, ça va aussi me concerner face à la viande interdite. Et Rabbi Yossi Aglili va me dire non. Par rapport à la viande qui était permise, je vais devenir interdit, mais la viande qui m'était déjà interdite, elle ne va pas devenir plus interdite à cause de cela. De ce fait, je ne vais plus être concerné par l'interdit de karet. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili, qui pense qu'on ne tient pas issur kolel. D'accord ? C'est clair, en fait. Bon, prochain, je m'en suis bien sorti, j'ai eu très peur, j'ai même modifié le cours en plein milieu. Je recommence très, très, très succinctement. Donc en fait, on a Chachamim qui vont me dire, écoute, lorsque je suis impur, c'est-à-dire lorsque je deviens impur, eh ben, j'ai un nouvel interdit maintenant qui va m'interdire de manger toutes les viandes kadosh. Peu importe
entre la viande qui était déjà pure ou qui était déjà impure ou qui va devenir impure par la suite, peu importe. Puisque maintenant, l'interdit qui m'incombe à moi et me concerne face à toutes les autres viandes, cet interdit maintenant, il s'applique sur moi et il va interdire même une viande qui était déjà impure. La Biosegli va me dire oh, non, ça dépend. Si la viande, elle était initialement impure, alors maintenant, tu vas plus être concerné par le nouvel interdit parce qu'il n'y a plus Issur Kolel. Il n'y a plus. Issur Kolel, c'est Kolel Dvarim Mutarim im Dvarim Asurim. C'est que de toute façon, puisque l'interdit va te concerner face à autre chose, alors il va te concerner face à cette chose-là. Rabbi Segalini ne tient pas ça. Il te dit, lorsque je suis devenu impur, certes, mon nouvel interdit maintenant m'interdit de manger des viandes pures, mais tandis que la viande qui était impure, de toute façon, elle était déjà interdite, de ce fait, je suis plus concerné par l'interdit. Je suis plus concerné par cet interdit-là, d'accord? Et il s'avère en réalité que dans la Mishnah, il y a eu un certain dialogue de sourds que Rabbi Chachamim n'ont pas compris à Rabbi Yossi Aglili, et de ce fait, l'ont accablé alors qu'il n'y avait pas lieu, que c'était une Mahloket qui se trouvait complètement différemment. Et c'est justement, maintenant je reviens sur le début du cours, c'est justement en cela qu'il y a un certain rapport entre la Mishnah, où on constate que Rabbi Yossi Aglili va me dire, puisque la personne elle est devenue, puisque la chose a été de toute façon invalidée, alors tu ne vas plus être concerné. Pour Shochet et Mahalé, on apprenait là-bas, dans la Mishnah précédente, que si j'ai égorgé l'animal à l'extérieur du Beth Amikdash, de toute façon, il est plus apte à être mangé au Beth Amikdash, à être consumé au Beth Amikdash. De ce fait, tu ne transgresseras plus l'interdit de consumer un corban à l'extérieur du Beth Amikdash. Et de ce fait, l'interdit de consumer ne concernait que celui qui a égorgé à l'intérieur de l'Azara et qui a sorti la viande ensuite. Selon ce même principe, Rabbi Yossi Aglili, on constate qu'il y a une certaine similitude. Faites le rapport tout seul, je ne veux pas trop alourdir le cours. Ça, c'est clair quand même. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.